I am an artist. For the last 10 years, I have been traveling the world fighting homophobia, and I fight against this issue in a non-violent way. I go to places where homophobic acts have been committed and plant a single pansy. This action changes the perception of the place from one of trauma to one of resistance and recovery. I am Paul Harfleet, and this is the story of my journey around France with what is called the Pansy Project. J'avais pas de carte d'identité, pas d'argent, j'avais pas de carte vitale, j'avais rien. Un jour, je suis partie de chez moi sur une dispute et j'ai reçu beaucoup de messages de ma mère. Elle me disait « tu n'es plus ma fille, je veux pas avoir d'une Gwyn comme toi, comme fille ». Il se retourne et là, il dit « c'est dégueulasse, bande de PD ». Et ici, juste ici, ça a commencé. Et là, ça a été d'une extrême violence. Et puis, il y a eu un moment de silence et il l'a fait. Il m'a jeté. Une des façons de m'en sortir, ça a été tout simplement de me faire accompagner par un médecin psychiatre. Il m'a dit « en fait, tu es mal. Tu es mal quoi ?» Je comprenais pas. Et je cherchais le mot. Et en fait, c'était tout simplement « j'étais mal heureux ». J'ai vécu beaucoup d'agressions homophobes, transphobes. Mon androgynie, ça engendre souvent des questions. Comment tu vas l'appeler celle-là? Salguin. Salguin, ouais. Salguin, hein. Ils ont dit Gwyn. Gwyn. G-U-I-N-E. Hein. Je suis pas prêt du tout à pardonner à mon père. Do you have an idea for the name? Dégage, salope.